Eh bien salut tout le monde, c'est Dalkai, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur GTA V et on va partir pour une mission un peu particulière. Vous avez sûrement dû le remarquer en titre. Et si vous avez entendu ne serait-ce que le bruit d'une imprimante, c'est que je viens tout simplement d'imprimer un document qui m'était nécessaire et j'avais pas fait attention qu'elle était allumée. On va l'éteindre, comme ça elle ne nous perturbera pas durant cette vidéo. Et on a entendu de l'eau. Bref. C'est pas bien grave, on est avec l'un des personnages les plus déjantés du jeu, à savoir Trevor. Et on va essayer de se mettre une tenue qui passe crème. Ouais, on va mettre ça. On va mettre un pantalon qui puisse coller avec le personnage. Et des chaussures, c'est plus vers le bas. Il n'y a pas de chaussures, Trevor. Il se balade à pieds nus. Ok. Tenue, costume, lunettes, veste, pantalon, polo, chemise, t-shirt, débardeur, haut. Ok, apparemment il a pas de chaussures le pauvre. Ok, comment ça se fait qu'il a pas de chaussures? Haut, débardeur, t-shirt, chemise, polo, pantalon, masque, veste, suite à capuche, lunettes, costume, tenue. Bon, on va essayer de lui mettre une tenue adéquate. Mais si, regardez, les chaussures elles changent. Bon, on va lui mettre celle-ci, celle avec laquelle on a... Ah bah si, là, la chaussure, elle apparaît. Ok, bon, bref. C'est pas bien grave. Donc, on va sortir. On va éviter de... spoil quoi que ce soit, si jamais il y en a qui n'ont toujours pas fini le jeu. On va mettre thème, on va se mettre... Non, on va mettre profil, voilà. En mode veille, on a vu un petit panneau qui va nous augurer. Oula. Bref. On va aller tout simplement dans un camp de nudistes. On m'a déjà dit en commentaire d'Alcaï, va dans un camp de nudistes et fais le fou. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai pu repérer sur la map où ça se trouvait. D'après certaines vidéos, c'est par ici. Ouais. Donc on va y aller. Et je vous vois déjà venir remonter vos braguettes, messieurs. Et mesdames aussi. Parce que bon, il n'y a pas que les messieurs qui sont pervers dans la vie. On va aller voir ce que ça donne. Bon, la vidéo sera courte, hein. Je vais pas non plus m'étaler là-dessus. Oh, je me casse, moi. La vidéo sera pas très longue, simplement puisque, comme vous le savez, j'ai ma série en route vers Call of Duty Ghost. J'enchaîne les records, et j'ai pas forcément le temps de tout record, c'est extrêmement long. J'ai beaucoup de choses à faire le week-end où sort cette vidéo. Donc on va y aller. Et puis au moins ça vous fera une vidéo pour le week-end et ça vous permettra de découvrir ce fameux camp de nudis si vous ne l'avez pas déjà vu. On va juste un peu PC. Moi je l'ai augmenté. Le son du jeu on va le mettre à 21 puisque j'étais sur Modern Warfare 3 juste avant pour une vidéo qui va arriver en début de semaine. Et donc je sais pas trop, apparemment il y a possibilité d'avoir un max de pognon là-bas. Je sais pas comment ça se passe, on est à 4 km de l'endroit. Je vous ferai aussi par la suite une vidéo comment avoir l'avion de chasse assez facilement. J'ai vu quelques petits tutos. Moi, je vais vous en faire un pour ceux qui ne le savent pas et qui aimeraient voir comment moi j'y arrive. Comment je fais, parce que moi, si j'y arrive, bah, vous y arrivez tous et toutes forcément. Je ne suis pas vraiment très bon non plus. Hein. Allez. Alors, c'est la première fois que je vais y aller, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà, il y a des motards, je pense qu'ils sont en contradiction avec moi. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, ben, ouais, vous allez voir des messieurs et des madames tout nus, toutes nues. Donc, fermez les yeux pour ceux qui ont moins de 18 ans. Non, ben, j'espère pas non plus que ce sera trash, on verra bien. En cas, je ferai peut-être un petit montage afin d'éviter que vous voyez des choses un peu ignobles pour vous. Des sgeeks des messieurs. Ou les ins. Pour pas être vulgaire des madames. Non, mais je pense pas. On va voir ce que ça va donner. Accidente. Che Guevara. Truc qui a rien à voir. Allez, big accélération. Oh oh oh. Alors, je sais même pas par où il faut passer. Je vous dis, je suis à 1 km du bail. Donc, bon, je vais être plus concret parce qu'on me dit, ouais, Dalkai, tu dis trop le mot bail dans tes vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis à 1 km
5 de la destination finale, à savoir le camp de nudistes. C'est une secte, apparemment. On peut y être accepté, me semble, via le solo. J'ai pas vraiment avancé, moi, depuis le multi. Et c'est déboire. J'ai beaucoup joué au multi. J'ai aussi arrêté de jouer au multi pendant un petit moment. Ah, j'adore les effets de bruit quand on passe du tunnel à dehors. Waouh. Ok. Je crois que je vais mourir. Ou pas. Et moi pourtant, j'ai fréquenté cet endroit. J'ai été pas très loin d'ici. Et je ne l'ai jamais vu, ce fameux camp de nudistes. Donc, pour faire simple, je sais pas à quoi m'attendre. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais même pas si ça va vous plaire. Et apparemment, c'est là-haut. Ça a l'air d'être ça. Et on peut y pénétrer en passant par la gauche, d'après ce que j'ai pu voir. On peut y pénétrer dans un camp de nudistes. C'est étrange. Ça me fait penser à The Walking Dead. Je veux pas spoil, hein, mais... Voilà. Ok, mais ils ont pas l'air d'être à Walp. Alors on va y aller à la main libre. Oh. Ah, s'il y a un mec à Walp! Oh putain! Vite, ne regardez pas, c'est affreux. Il est tout gros, tout gras. Il y a une musique d'ambiance assez bizarre. Oh, bonjour le monsieur à Walp. Alors, on va faire une furtivité à côté de lui. Hop là, hop là. Putain, ils sont tous à Walp! Regardez pas. Petit aperçu, petit désaperçu. Il y a que des mecs en fait. Y'a aucune nana à Walp. Lui, il est en... En bail. Oups là, on avait un petit truc dépassé. Ouh putain, on l'a pas vu, heureusement. Et lui, il est à Walp et il médite sur je ne sais quoi. On va prendre la batte. Et d'ailleurs, on va le batter. Bonjour les mecs à Walp. Oh putain. Oh fuck. Ouf. Oh le méga fail. Vous êtes mort. Oh putain. Ça c'est ce qu'il faut s'attendre avec moi dans chaque vidéo. C'est des putains de méga fail. Là ça en est un exemple assez... Ah, c'est relou, putain, je vais pleurer, les gens, j'en peux plus. Pourquoi? Pourquoi, moi? Bon, bref, on va faire start, on va remettre le point au niveau de la secte des nudistes. Par contre, il va me faire passer par un endroit qui va mettre simplement 12 km pour y arriver. On va prendre un truc assez rapide, putain, moins 5000, quoi. Allô? Oh, putain, non, prends pas cette bagnole, on s'en fout. Il y en a une plus belle, là, ici. Prends celle-là, prends celle-là. On va y aller plus vite. On doit être à combien? Aller à 5 km au moins. 3-4 km max. 2 km 7. Voilà, j'étais pas très loin. Allez, on se casse. On va accélérer au plus rapide possible. Oh purée. J'ose pas couper, parce que vous voyez le fail que j'ai fait, bah, ça risque de se reproduire si jamais je passe par des endroits qui ne sont pas indiqués via mon putain de GPS. Alors désolé pour les grossièretés, mais à un bout d'un moment, on sait plus. Allez, go. Oui, moi aussi. Vers 19h, hein. Par là. What the fuck? Donc il va falloir tourner à gauche très bientôt. Là ici. Go! Et il nous reste 800 mètres à faire. Quelle bonne nouvelle. Et donc on va faire un putain de carnage sur le camp de nudistes. On va tous les dézinguer. Alors j'ai rien contre les nudistes, ceux qui sont à Walp. Faites ce que vous voulez. Si ça vous chante et si ça vous plaît. Mais bon, dans le jeu c'est marrant de buter des gens. C'est un peu le but. C'est de là où je suis tombé, je crois, non? Non, même pas.
Bon, par contre, on va éviter de retomber. Putain, merde, voilà, bah, je crois que je sais même pas par où passer, vous voyez? Ah, me voyez? Alors, on va faire un truc assez cool. C'est qu'on va garer... Oh, putain. Même ça, j'y arrive peut-être pas. Eh, hey, y'a un mec qui garde le bail, quoi. J'ai encore dit bail. On va monter sur le toit de la bagnole. Et si on y arrive, on va passer au-dessus. Et on n'y arrive pas. Putain, non, crève pas, crève pas. Fais le tour. Et si vous entendez ma PS3 chauffer, c'est normal. Parce qu'elle est... Elle est vieille, elle, la pauvre. Je vais peut-être... Voilà, tirer un peu le meuble. Allez, mais saute. Il y a un mec presque à walp. Waouh, 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 waouh. Bah allez, on va éviter de faire les concons. Je vais passer par les chemins qui mènent à Rome. C'est-à-dire la route. Ce sera plus simple. Ok, et encore. Donc rappelez-vous, hein, sur la map, c'est ici. Voilà, je me doutais que c'était pas le bon endroit où j'étais. Allez, marche arrière, Fennec! Oh putain. Alors pour ceux qui me disent d'Al-Qaïd dans tes vidéos, des fois on entend comme un bruit d'aspirateur. Vous inquiétez pas, c'est pas un aspirateur, il n'y a personne. Putain, bon alors je suis parti à Bagdad les gens. Putain, si j'arrive à me sortir de ce merdier. C'est juste que ma PS3, c'est une 80 Go qui date oula, de 2008. J'avais la 60 Go, fut un temps. Que je n'ai plus. Ouais, une patrouille des gardes forestiers ou je sais pas quoi là. Et elle a tendance à souffrir la vieille. Elle est peut-être pas aussi vieille que moi, mais en tout cas, elle prend de l'âge pour une PS3, c'est déjà pas mal. Elle a vécu depuis 2007, au moins 2007-2008, si je ne me trompe pas. Et donc, on va passer ici à gauche. Allez, go. Et ici à droite, j'ai raté quelque chose, non? C'est juste là. Putain, c'est un peu compliqué quand on fail, hein. Bon, nos amis les Walp, à Walp, là. Par où on rentre? Déjà, ah oui. Par ici. Lui, ça va, il est pas à Walp. Il y a que des mecs en fait. Lui, il y a Zizi à l'air. Il y a une nanana. Des vieux. Ils sont tous la quéquette à l'air, quoi. Bon, on va essayer de pas fail. Bon, maintenant, il faut s'attaquer aux autres. Pistolet mitrailleur Hucky. Petit carnage dans le camp de nudistes, là. Le but, c'est d'en sortir vivant. Et partir en parachute et pas mourir. Voilà, ce sera le but. Ouah, ça tire. Et on m'a dit qu'il y avait du pognon à se faire ici. À ce qui paraît. Et moi, j'ai pas vu encore. Où est-ce que ça tire? C'est tout, il n'y a que ça. Putain, mais ils sont pas nombreux les nudistes là-dedans.
What the fuck? Y'a rien, on peut pas rentrer nulle part. Bon bah c'est tout, on aurait vu Je sais pas plus... Ouais, je m'attendais à mieux. Bon, j'ai peut-être fail au début, et c'est ce qui a fait que les nudistes se sont tous barrés. Ils se sont dit, putain non, pas un mec ainsi, quoi. On peut pas là-haut. Putain, y'a son père, quoi. Il y a un lance-roquette ici. Ah oui, il y avait vraiment personne. Hein. Allez, pour les curieux, on va aller voir là-bas. Là, ici, il y avait personne. Ils ont un pantalon ou pas? C'est où qu'il y avait les bidons? Ah, c'est là. Putain, ça explose pas. Non, 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 non. Et allez, voilà, on a fait notre bail. On a fait notre délire dans la putain de secte des fucking nudistes. Y'a personne d'autre? Ah, si, y'a un mec là-haut, non? Il est encore vivant, lui? Non. Putain, il n'y a personne de chez personne. Ah bah, vous savez où ça se trouve, vous pouvez y aller, vous aussi. T'avais un petit délire là-bas. Allez, go. Un petit... Oh, je vais me renommer Del... Oh putain, ils ont réapparu tous d'un coup, motherfucker, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ils ont tous spawn! Je savais... Oh putain, que ça se passerait jamais comme je veux. Et le tien Walp! Oh putain! Ils sont tous à Walp! Lui il laisse tomber. Complètement à Walpé quoi. Ok! Oh putain! Eh, donne-moi! Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui! Débarque, c'est Francky Vincent le remix. Allez, c'est parti, on va se lancer. Si on y arrive avec Trevor, on va se lancer dans le vide. Et parachute, il est où? Oh putain! Bon, voilà, on va se finir sur ça. Vous êtes morts, on a été dans le camp de nudistes, on a fait du gros n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous irez faire un tour et voir ce que ça donne chez vous. Voilà. Conseillé de jouer en 720p minimum débarque. Donc ça vous aurez une belle vue. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos un peu délire dans le même style sur GTA. J'essaierai de faire un peu de tout. N'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires de la vidéo. Ciao ciao tout le monde, bon game à tous.